Superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Bien, camarades, cela fait pas loin de 40 ans pour ceux d'entre nous qui avons participé à chacune de ces commémorations. Cela fait pas loin de 40 ans que, au point de départ, à l'initiative du camarade Pierre Lambert, nous avons établi une tradition de nous retrouver le dernier samedi du mois d'août sur la tombe du camarade Léon Sédov. Elle est ici. Léon Sédov, fils de Léon Trotsky, assassiné à Paris en 1938. Il était l'un des principaux animateurs de la préparation de la conférence de fondation de la 4e internationale, assassiné donc, si je ne m'abuse, en février 1938 par des agents de Staline, les mêmes qui, dans les mois qui ont précédé, les mois qui ont suivi, ont également assassiné Rudolf Clément, secrétaire du mouvement pour la 4e internationale, à Paris également, dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans la Seine, Ignaz Reiss, assassiné après qu'il ait écrit une lettre à Staline pour dire qu'il rompait avec lui et qu'il rejoignait la 4e internationale. Et plus généralement, nombre de militants, notamment au cours de la Révolution espagnole, pas seulement des militants trotskistes, des militants du POUM, des militants anarchistes, des militants syndicalistes, assassinés par la police politique de Staline parce qu'ils avaient osé aider les travailleurs, les paysans à prendre leurs affaires en main, à constituer leur propre comité, pour tenter d'établir leur propre pouvoir. Nous sommes unis ici, comme chaque année, pour rendre hommage au camarade Léon Sédov, à son père Léon Trotsky, qui fut assassiné par les agents de Staline moins de 30 mois plus tard, mais aussi plus généralement à ces centaines de milliers, millions peut-être, qui ont été assassinés par Staline et sa police politique sur tous les continents, dans les sinistres camps de Sibérie. Tous ces militants, dont certains partageaient les positions de Trotsky et de la 4e internationale, dont beaucoup se revendiquaient d'autres courants du mouvement ouvrier, socialiste, communiste, anarchiste, différentes variétés de ces différents courants. Mais tous, quelles que soient leurs différences entre eux, et c'était des différences politiques importantes, partageaient une conviction qui, pour le régime politique de Staline, constituait une menace. Malgré la dégénérescence de l'Union soviétique, malgré la répression, ils partageaient ce qu'on peut appeler la fidélité à un combat. Le combat pour l'émancipation sociale des opprimés, des exploités, plus précisément, un même attachement à la nécessité du combat pour l'émancipation sociale de la classe ouvrière, la classe des producteurs, ceux dont dépend le surgissement de toute richesse nouvelle, en un mot. Même si ce qu'ils mettaient derrière les termes n'étaient pas tous la même chose, ils étaient profondément convaincus de la nécessité d'en finir avec le capitalisme, de la nécessité d'y substituer le socialisme, c'est-à-dire un système basé sur la socialisation des moyens de production et sur le fait que les richesses produites par toutes, par tous, doivent revenir à tous. Et bien sûr, cet attachement aux idéaux du socialisme, cet engagement dans le mouvement ouvrier, pour celui qui usurpait le drapeau d'octobre 1917, pour celui qui, à contre-courant de son action, prétendait être l'héritier des révolutionnaires d'octobre 17, pour celui qui trahissait octobre au nom d'octobre, qui trahissait le communisme au nom du communisme, alors il y avait évidemment une menace dans cet entêtement, cette obstination de ces militants à dire « Non, le régime stalinien, ce n'est pas le socialisme. Nous combattons pour le socialisme véritable et c'est pourquoi nous nous opposons à Staline et nous nous battons pour préparer les conditions du renversement de cette clique bureaucratique dictatoriale au sommet de l'Union soviétique. » Et c'est pourquoi ceci était une menace pour le régime stalinien. Il fallait décapiter l'avant-garde. Il fallait liquider ceux qui en Espagne constituaient les comités, ceux qui organisaient l'occupation des terres, ceux qui occupaient les usines. Il fallait, dans le monde entier, liquider ceux qui mettaient à l'ordre du jour la nécessité d'une nouvelle internationale communiste, puisque celle qui portait ce nom avait, depuis la tragique défaite du prolétariat allemand en 1933, fait la démonstration qu'elle n'était pas un instrument de la révolution, mais au contraire un instrument de la contre-révolution victorieuse.
Camarades, beaucoup l'ont payé de leur vie, travailleurs paysans en Espagne, combien de centaines de milliers, de millions de travailleurs et de paysans chinois, victimes de la politique de Staline qui les a livrés à leurs bourreaux à la fin des années 20. C'est à tous ces camarades, au sens large, tous ces camarades du mouvement ouvrier, tombés pour avoir refusé de renier l'idéal du socialisme, à tous ces camarades tombés pour avoir refusé de capituler devant Staline, que nous rendons hommage aujourd'hui, avec bien sûr un accent particulier en direction de nos camarades Léon Sédov et Léon Trotsky, tombés pour la 4e internationale. Cette commémoration, qui pour certains paraîtra peut-être en dehors du temps et de l'espace, elle est au contraire d'une très grande actualité. Car les héritiers de Staline sont toujours vivants. Le plus connu d'entre eux s'appelle Poutine. Certes, il ne se réclame plus du communisme depuis belle lurette. Il se réclame du nationalisme grand russe le plus abject. Il fréquente des bandes d'extrême droite. Il n'a plus rien à voir avec les idéaux d'octobre, mais il a à voir avec le régime stalinien. Parce que Poutine et tous les gens de son espèce, les oligarques qui l'entourent, ont tous leur origine dans la bureaucratie stalinienne. Ils se sont tous reconvertis en l'espace d'une nuit, parfois de quelques heures, de défenseurs du régime stalinien qui jurait ses grands dieux qu'il était partisan du socialisme, du communisme et de tout ce qu'on voulait. Du jour au lendemain, ils se sont convertis au plus abject pillage de la propriété publique. Ils ne s'y sont pas convertis sur le plan des idées, ils s'y sont convertis en plongeant à deux mains dans les richesses qui étaient celles du peuple russe et qu'ils se sont appropriées pour leur bien et leur confort personnel. Ils ont pillé ce qui restait d'économies nationalisées issues de la révolution russe. Et ce sont eux qui mènent aujourd'hui une guerre effroyable contre le peuple ukrainien, tout en resserrant chaque jour une terrible répression contre les travailleurs et les militants qui, en Russie même, s'opposent à la guerre, contre les travailleurs et les jeunes qui, en Russie même, constituent leurs syndicats, constituent la classe ouvrière russe. Et camarades, dans le salut que nous adressons à l'ensemble des camarades, nous voulons, cette année, car les circonstances, si l'hommage est toujours le même sur le fond d'une année sur l'autre, les circonstances ne sont pas les mêmes, en cette année 2022, dans un contexte très particulier, nous voulons adresser un salut particulier à la mémoire du camarade Léon Trotsky, indissociable de son fils Léon Sédov, assassiné 2 ans plus tard par les hommes de main d'Staline qui, certes, avaient fait des tentatives auparavant, mais ont mis à profit une circonstance particulière. Quand Trotsky fut assassiné en août 1940 à Mexico, Staline escomptait que le bruit et les retombées de cet assassinat passerait un peu plus inaperçu dans la fureur et le déchaînement de la Deuxième Guerre mondiale, que c'était un petit événement par rapport aux grands événements qui étaient en train de se dérouler. Sinistre coïncidence, puisque Trotsky assassiné à l'aube de ce qui était la Deuxième Guerre mondiale, nous nous réunissons aujourd'hui, alors que de toutes parts, on parle, et avec de plus en plus d'insouciance, de plus en plus de légèreté, de la possible perspective d'une Troisième Guerre mondiale. Trotsky, je l'ai dit, a été assassiné en août 1940. Le dernier texte programmatique à la rédaction duquel il a largement participé, dont on peut dire qu'il est le rédacteur, c'est un manifeste qui s'appelle le manifeste d'alarme de la 4e internationale. Ce manifeste, il a été adopté dans des circonstances très particulières. Il a été adopté en mai 1940, donc quelques semaines avant que Trotsky ne soit assassiné. Rédigé, adopté par une conférence convoquée d'urgence sur le continent américain par quelques-uns des militants des sections de la 4e internationale qui avaient pu échapper aux griffes du nazisme. Et Trotsky a tenu, sentant que d'une manière ou d'une autre, les agents de Staline finiraient par atteindre leur but, il a tenu à rassembler dans ce dernier document tout ce qui lui paraissait nourri par l'actualité et qui réaffirmait sa confiance inébranlable dans le fait que la barbarie nazie n'était pas la fin de l'histoire, qu'au-delà de cette barbarie, au-delà de la confrontation entre les différents impérialismes, en particulier l'impérialisme allemand, l'impérialisme américain et ses alliés,
la perspective reste-essai du socialisme libérateur. Pour les camarades qui ont lu ce texte, qui mériterait sans doute d'être réédité, il est d'une fraîcheur et d'une actualité exceptionnelle. Parce qu'elle, Trotsky s'y attache à montrer que, qu'au-delà des apparences immédiates, la crise du capitalisme ne peut pas trouver de solution dans la confrontation meurtrière entre les différentes puissances impérialistes. Il établit scientifiquement l'actualité du combat pour la révolution prolétarienne, pour le socialisme, et il le fait en rejetant explicitement toute forme de chauvinisme, toute forme de nationalisme, au nom duquel, dans 1940, on cherchait à entraîner les travailleurs du monde entier. Il fallait se ranger sous la croix gammée pour la défense de la grandeur de l'Allemagne. Il fallait se ranger sous la bannière étoilée pour défendre la démocratie confondue avec les intérêts bien compris des multinationales américaines. Il fallait se ranger sous le drapeau de l'Empire britannique, même qu'on était un travailleur indien colonisé, opprimé, exploité. Il fallait, pour les travailleurs des colonies françaises au Sénégal et ailleurs, se ranger sous le drapeau tricolore pour défendre la démocratie. Et Trotsky démontre que cette tentative d'entraîner les travailleurs du monde entier sur la voie du chauvinisme et du nationalisme est une impasse, à quoi il oppose l'internationalisme ouvrier, la fraternisation des travailleurs dans le monde entier. Camarades, ça nous ramène à l'actualité présente. Et ça nous ramène en particulier à la nature de la guerre en cours. Qu'est-ce qui est en jeu dans cette guerre? Certains, beaucoup même, vont nous dire qu'il s'agit de défendre la liberté du peuple ukrainien, ou qu'il s'agit de défendre la démocratie. J'ai entendu un député de la NUPES et du Parti des Verts réunis, un dénommé Bayou, dire que se ranger du côté des Américains contre la Chine et l'Ukraine, c'était le devoir élémentaire de quiconque est partisan de la démocratie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et il nous revient à nous, militants de la 4e internationale, de manière systématique. Il nous revient de démonter ces mensonges et cette propagande. Ce qui est en jeu, c'est simple. D'un côté, une poignée d'oligarques arrivés très tard sur le marché mondial et qui revendiquent leur droit d'essayer d'obtenir quelques miettes du gâteau capitaliste. De l'autre côté, l'impérialisme mondial, dirigé par les multinationales américains, qui leur répond, c'est nous qui fixons les limites. C'est nous qui disons la part du gâteau auquel vous avez droit. Et dans cette période de crise du capitalisme, nous décidons que cette part doit être de plus en plus restreinte. C'est pourquoi notre armée de l'OTAN, parce que l'OTAN est une armée américaine, doit de plus en plus encercler la Russie. Et les oligarques, dont Poutine est le porte-parole, disent « Mais non, nous avons droit quand même à notre part de gâteau ». Camarades, dans cette confrontation, les travailleurs n'ont évidemment aucune raison de choisir un camp contre un autre, parce que dans les deux cas, il s'agit des exploiteurs, des profiteurs, de ceux qui pillent les richesses du peuple. C'est donc bien une guerre impérialiste. Elle n'est ni pour la souveraineté de l'Ukraine, ni pour la démocratie, ni pour en finir avec le régime dictatorial de Poutine. Car enfin, camarades, l'impérialisme américain, comme l'impérialisme français et bien d'autres, serait mal placé pour prétendre être guidé par la lutte contre le totalitarisme et la lutte pour la démocratie. On apprend d'ailleurs ces jours-ci, ce qui est quand même extraordinaire, qu'un régime qui était présenté depuis 15 ans comme l'abomination absolue, le diable absolu, je veux dire le régime iranien, est en train de revenir dans les faveurs de l'impérialisme américain, dans le faveur de tous les alliés tous les pays alliés des Américains, qui les uns après les autres renouent les relations diplomatiques avec l'Iran. Pourquoi? Ben vous l'aurez compris, parce que le pétrole iranien serait le bienvenu pour compenser l'absence de pétrole russe. Et d'un coup, voilà le régime iranien, réputé beaucoup plus fréquentable qu'il ne l'était encore il y a 3 mois, il y a 6 mois. Alors pas eux, pas ça, pour nous donner des leçons de démocratie et de combat contre le totalitarisme, c'est une évidence. Et c'est pourquoi, camarades, nous revendiquons les mots d'ordre qui ont été avancés par le Parti ouvrier indépendant démocratique, dont le courant trotskiste est totalement solidaire, et qui affirme dans un même mouvement que les troupes russes doivent être chassées d'Ukraine, les troupes de l'OTAN chassées d'Europe de l'Est, qui affirme la nécessité de dissoudre l'OTAN, du retrait de l'ensemble des troupes, y compris françaises, de tous les pays où elles jouent un rôle d'occupation, en particulier en Afrique, et qui affirme dans un même mouvement « ni Poutine, ni Biden, ni Macron ». Ces mots d'ordre forment un tout. Et il faut pointer ici du doigt particulièrement le rôle du gouvernement Macron.
parce qu'il se passe quelque chose en ce moment dans ce pays qui est, je ne sais pas si c'est sans précédent, en tout cas, qui est tout à fait extraordinaire. Le gouvernement Macron s'engage chaque jour davantage, pas simplement avec des paroles, mais avec des actes. Il s'engage dans la guerre en Ukraine et dans la préparation de la guerre en Chine. Les dirigeants de ce pays le disent ouvertement. Personne ne fait écho à leurs déclarations. Pire encore, en dehors de nous, personne ne proteste. Personne n'y voit quelque chose de grave. De jour en jour, c'est une escalade. Alors, sans reprendre les étapes, revenons à une étape qui est extrêmement importante. Le 27 juillet dernier, l'amiral Vandier, chef d'état-major de la marine française, déclare publiquement dans une réunion de la commission de défense de l'Assemblée nationale qu'il faut, je cite, « se préparer à une confrontation globale ». Et si des fois ses interlocuteurs n'avaient pas compris de quoi il s'agit, il précise « contre la marine chinoise, nous gagnerons si nous nous battons en coalition ». Il revendique à cette occasion une augmentation des crédits militaires. Il précise « notre marine va être amenée à faire feu dans la toute prochaine période ». Il dit ça dans une séance publique de la Commission de la Défense nationale. Ce n'est pas un secret, camarade. Moi, j'ai voulu me renseigner. Je suis allé sur Internet, dont je ne suis pas très familier. Et il y a le compte-rendu intégral de la discussion de la Commission de Défense nationale. Qui a rendu public les propos de l'amiral Vandier en dehors de la tribune des travailleurs? Personne. Qui participait à cette réunion de la Commission? Des députés de tous les partis. Tous n'ont pas pris la parole. Mais le député des Hauts-de-Seine, un dénommé Saint-Toul, représentant qui a dit « je parle ici au nom de la France insoumise ». On aurait pu imaginer, espérer, quels que soient nos désaccords avec la France insoumise, qui disent pour ma part « je ne partage pas le point de vue de l'amiral ». Je respecte l'amiral, je suis très respectueux de toutes les institutions de la République, mais enfin tout de même, je tiens à dire que je ne suis pas partisan d'une guerre contre la Chine. Il ne prenait aucun risque à dire cela, il n'aurait pas été fusillé sur place, il n'aurait été pas mis en prison, il a le droit de lire. Non seulement il n'a pas dit ça, camarade, il n'a pas dit un mot pour prendre ne serait-ce que quelques distances avec les propos de l'amiral. Au contraire, il fait une longue intervention dans laquelle, comme le spécialiste qu'il est peut-être, il donne des recommandations sur la manière dont il faut resserrer les liens de la coalition, sur l'armement de nos hélicoptères, de nos avions de la marine, sur leur positionnement dans tel ou tel espace maritime du monde. Et depuis, camarades, l'amiral prend la parole le 27 juillet. La presse, dans les semaines qui suivent, disent que ce qu'a dit l'amiral est en fait partagé par tous les chefs d'état-major, y compris de l'armée de terre, de l'armée de l'air, etc., que c'est le point de vue commun de l'état-major militaire. Personne ne dit rien. Et puis finalement, quelqu'un parle, Macron. Macron, le 19 août, à Bormes-les-Mimosas, ne fait pas référence à ce qu'ont dit les militaires, mais il dit « nous allons vers une confrontation extrêmement importante, les Français doivent se préparer à payer le prix de la liberté ». Et dans les heures qui suivent, il précise que le prix de la liberté, c'est 1. La réforme de l'assurance chômage, 2. La réforme des retraites. Et puis un peu plus tard, son comparse Ndiaye, en commun avec Macron, indiquera que le prix de la liberté, c'est transformer l'école publique en plusieurs centaines d'écoles privées, finalement, et de faire disparaître le caractère de l'école publique. Et puis, ajoutons à cela que dans une situation où les chiffres truqués de l'inflation disent quand même qu'on est en train d'approcher de 10% d'inflation, et certainement beaucoup plus, il y a un refus très net du gouvernement et du patronat de concéder ne serait-ce que les mesures permettant de ne pas faire payer le coût de l'inflation aux travailleurs. Donc c'est une spirale de paupérisation. Alors camarades, est-ce que nous exagérons en disant que Macron a déclenché la guerre à l'extérieur et à l'intérieur, qu'il prépare et organise la guerre contre le peuple chinois, contre le peuple russe, d'autres éventuellement en Afrique, et que dans le même temps, il fourbit les armes pour aller encore plus loin dans la guerre contre la classe ouvrière? Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas un excès de langage. C'est l'exacte vérité, camarades. Et c'est d'autant plus l'exacte vérité qu'on apprend dans le même temps que dans le seul deuxième trimestre 2022, c'est-à-dire avril, mai et juin,
Les entreprises du CAC 40 en France ont distribué à leurs actionnaires 44 milliards d'euros de dividendes. 44 milliards d'euros, il se trouve que c'est le budget de la défense. Mais ce n'est pas le budget de la défense qu'ils ont distribué. Il y a d'un côté les 44 milliards qu'on donne aux militaires, de l'autre, les 44 milliards que les plus grandes entreprises françaises versent aux actionnaires. Ce qui est un, vous ne serez pas surpris, ce qui est un chiffre record, une nouvelle fois, un nouveau record battu, etc. Alors, camarades, est-ce que nous exagérons? Est-ce que nous nous racontons des histoires à dire, attention, le danger d'hier est réel? Je sais bien que des fois, des camarades, et je le comprends, se rendent compte de cette situation bizarre. Quand on est dans des diffusions publiques, on parle de la guerre contre les travailleurs en France, contre la Chine, et travailleurs, les jeunes autour de nous, en général, comprennent bien la situation. Et en même temps, des fois, les camarades s'interrogent. Oui, mais on est les seuls à en parler. Est-ce que c'est pas un peu bizarre, finalement? Est-ce qu'on a raison contre tout le monde? Alors, camarades, ce que je vais vous dire n'est pas rassurant, mais au moins, ça répond à cette question. Nous ne sommes plus les seuls à en parler. Le journal Les Échos, de ce matin, qui est le journal de la classe capitaliste, mais c'est très significatif, hein, faut pas en rire, parce que, vous savez, Les Échos, pour qui lit un peu Les Échos, c'est pas un journal excessif, c'est un journal modéré, même quand ils défendent les intérêts des patrons, ils le font, du point de vue de leur classe, mais ils en rajoutent pas. Publie un article ce matin sous le titre « Troisième guerre mondiale, les marchés jouent à la roulette russe ». Vous savez ce que c'est la roulette russe, hein? On met 5 balles dans le barillet, puis on laisse un espace vide, on tourne et puis on tire. Et alors il y a 5 chances sur 6 que ça ne se passe pas bien. Ou l'inverse, ça dépend des cas. Oui, mes camarades, c'est intéressant ce que vous dites. Ou l'inverse, mais l'interprétation que donnent Les Échos, c'est celle que je vous donne. C'est les 5 balles, c'est pas une. D'accord? Et je le dis à dessein, bien. Et qu'est-ce qu'ils disent, Les Échos? Écoutez, parce que vous savez, c'est très significatif. Quand on parle des marchés, on parle de gens qui investissent tous les jours des milliards, des dizaines, des centaines de milliards, qui les déplacent d'un fonds spéculatif à un autre fonds spéculatif, qui savent que s'ils font une erreur de 0,1%, ça se traduit dans des pertes phénoménales. Donc, les marchés, c'est supposé être quelque chose de sérieux, en tout cas, qui essaye d'être sérieux par rapport à ses propres intérêts. Que nous disent Les Échos? 6 mois après l'invasion de la guerre en Ukraine, une guerre planétaire n'est plus un sujet tabou et impensable pour les marchés. Hein? C'est-à-dire que les capitalistes qui calculent les risques de leurs investissements, dans les risques, vous savez, ils calculent toujours le risque, je ne sais pas si la production de blé est moins forte, si la température monte, la sécheresse. Bon, et bien maintenant, ils incluent dans le calcul des risques l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale. Et il y a un institut, BCA Research, qui donc a évalué, je cite, à 20% le risque d'un affrontement entre les États-Unis, la Chine et la Russie. C'est-à-dire que quand un fonds spéculatif, un capitaliste quelconque s'adresse à cet organisme et leur dit « Bon, pour mes investissements prochains, qu'est-ce que vous me donnez comme indicateur de risque ?» L'office en question donne un certain nombre d'indicateurs, dont 20% de risque d'une guerre mondiale. Camarade, on a affaire à des gens sérieux. Et pour les camarades qui ont cru me corriger tout à l'heure, je cite, « Le monde joue à la roulette russe avec un revolver à 5 balles. » Bien, alors bien sûr, la menace d'une guerre n'est pas la certitude d'une guerre, c'est évident. Mais la menace est là. Et ce qui est sûr, et là c'est pas une menace, c'est qu'on assiste à une militarisation générale de toutes les relations. Les camarades jeunes dans la page des jeunes de la Tribune des Travailleurs relève chaque semaine, et il y en a de plus en plus, les mille et un moyens par lesquels la propagande guerrière s'insinue dans les programmes de musique, dans les publicités, enfin, sous toutes les formes, pour amener les jeunes à considérer, comme le dit une camarade dans un article qui paraîtra la semaine prochaine, comme il y a de plus en plus de jeunes précaires, au moins il y a une perspective pour les précaires, c'est l'armée. Et cette militarisation joue dans tous les domaines. Mes camarades, Les Échos disent qu'ils jouent à la roulette russe. Il n'y a pas que sur la guerre qu'ils jouent à la roulette russe. Et sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, ils ne jouent pas à la roulette russe. Qui peut dire avec certitude d'où viennent les bombes qui tombent sur la centrale? Qui peut dire avec certitude si la situation est contrôlée ou pas? Personne. Mais on peut étendre le propos. Et avec l'environnement, ils ne jouent pas à la roulette russe?
On nous raconte n'importe quoi sur le fait que les camarades l'ont bien démontré dans les articles de la Tribune des Travailleurs durant cet été, que grâce au lithium, on va éviter je ne sais quelle dépense, que grâce à tel autre mode de production d'énergie. Mais en vérité, la seule chose qui guide, c'est le profit, camarades. Et par conséquent, quels que soient les procédés proposés, certains sont peut-être techniquement valables, les conditions de leur mise en œuvre sont des conditions qui remplacent un fléau par un autre. Parce que dans la prise en compte des considérants, il y a une chose qui n'intervient jamais, la préservation du genre humain et dans son environnement. Et il y a une seule chose qui intervient, c'est la préservation du profit capitaliste. Alors le profit capitaliste, il peut se faire avec du charbon, du pétrole, de l'énergie nucléaire, des éoliennes. Tout ce qui pourra en produire sera bon à venir, quelles que soient les conséquences sur le genre humain actuel et sur le genre humain à venir. Alors oui, camarades, la question de la guerre est une question centrale. Et il faut relire avec profit ce dernier écrit de Trotsky, le manifeste d'alarme contre la guerre. Nous savons que le peuple, les travailleurs, les jeunes dans notre pays ne veulent pas de la guerre. Nous savons qu'il y a quelque chose qui parle aisément à tous ceux avec qui on engage un dialogue, c'est de dire que les milliards qui existent, les 629 milliards de nos capitalistes depuis 30 mois, les milliards de la guerre, les milliards de la spéculation, il est indispensable de les confisquer et de les affecter à l'école, aux hôpitaux, aux services publics, à l'emploi, aux salaires. Je crois que c'est quelque chose qui est largement partagé. D'ailleurs, si on regarde le soulèvement qui a eu lieu au Sri Lanka il y a quelques semaines, il apporte une réponse à cette question. C'est le soulèvement de tout un peuple qui, à un moment donné, poussé vers la misère et la destruction pure et simple par un régime corrompu vendu au Fonds monétaire international, a commencé à résoudre le problème par lui-même en chassant le président, ce qui ne règle pas tous les problèmes. On aura l'occasion d'y revenir. La réponse a commencé à être apportée par les travailleurs en Grande-Bretagne. Si, sans qu'un mot d'ordre de grève générale soit venu du sommet, ont commencé secteur par secteur à organiser la grève, qui met à l'ordre du jour la grève générale, même si nous le savons, les sommets officiels du mouvement ouvrier en Grande-Bretagne n'y sont pas favorables, c'est une bataille en cours. Dans notre propre pays, il est clair que la lutte de classe sur les revendications va être de plus en plus la forme concrète du combat contre la guerre. Toute lutte de classe sur les revendications, toute revendication arrachée, toute grève qui permet d'avancer, est un coup porté à la politique de guerre à l'intérieur et à l'extérieur de Macron. Mais plus généralement, une politique qui vise au soulèvement du peuple contre le gouvernement fauteur de guerre est la voie la plus courte pour combattre contre la guerre. Il ne fait aucun doute que les semaines qui viennent verront les plus grandes luttes de classe qui poseront de manière combinée la question de la lutte contre la guerre à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ne nous le cachons pas, les travailleurs sont confrontés à un problème. Ce problème, c'est le soutien apporté de fait par les dirigeants des organisations issues du mouvement ouvrier politique et syndical, soutien apporté à Macron, à sa politique de guerre et plus généralement à toute sa politique. Je l'ai dit, camarades, il y a eu un député de la France insoumise pour soutenir courageusement l'amiral Vendier. Y a-t-il eu un seul député de la France insoumise depuis ? Pour dire « je ne partage pas ce point de vue ». Un seul député pour dire « non, je m'excuse, on ne peut pas donner des conseils à la marine sur la manière de massacrer le peuple chinois ». Aucun. Y a-t-il eu le moindre démenti, la moindre prise de distance ? Aucune. En avril, le Parlement européen a voté qu'il fallait accorder des milliards et des milliards à la guerre en Ukraine, qu'il fallait resserrer les liens entre l'Union européenne et l'OTAN. Les députés de la France insoumise et du Parti socialiste ont voté pour cette résolution. Depuis ce vote du mois d'avril, nous sommes maintenant fin août. Y a-t-il eu un seul dirigeant de la France insoumise, un seul député, pour dire « ce vote est une erreur » ? Aucun. Alors, camarades, on en arrive à cette situation incroyable où depuis 8 jours... Macron produit quasiment chaque jour une déclaration de guerre contre les travailleurs et les jeunes, qu'il s'agisse de la guerre, qu'il s'agisse des retraites, de l'assurance chômage, des privatisations, de l'avenir de l'école. Et en ce moment même, dans ce qui s'appelle les universités d'été de la France insoumise, 3 ministres du gouvernement Macron sont accueillis fort civilement pour débattre très sympathiquement avec les députés de la France insoumise. Camarades, qu'y a-t-il à débattre avec les ministres du gouvernement Macron? On peut débattre avec des gens avec lesquels on partage un but commun, même si on veut discuter des moyens. Mais quel but commun peut-il y avoir, du moins si on se situe du point de vue de la classe ouvrière? Quel but commun peut-il y avoir entre un gouvernement qui s'acharne à détruire un à un tous les droits ouvriers et les intérêts de la classe ouvrière? Aucun, camarade.
Et pourtant, ce débat a lieu. Et pourtant, Coquerel préside la commission des finances et la presse regorge d'articles qui disent que Coquerel et le ministre Le Maire gouvernent ensemble les finances du pays. C'est un fait, quand même. Et c'est un obstacle. Ça va très loin. Je voudrais donner un fait qui est significatif. Il y a quelques jours, s'est tenue la commission exécutive confédérale de la principale confédération syndicale française, la CGT. Dans le rapport présenté à cette réunion de la commission exécutive confédérale, qui est un rapport publié, qui fait 12 pages, 3 pages sont consacrées aux questions internationales. Il y a une vague référence au fait qu'il y a une guerre en Ukraine, mais vraiment en passant. À aucun moment dans ces 12 pages, il n'est fait mention du fait que le gouvernement Macron est engagé dans la guerre. À aucun moment, il n'est fait mention qu'il y a des milliards qui sont donnés pour la guerre, qu'on arme l'Ukraine et qu'il n'y a pas de pognon pour les travailleurs. Nulle part. Pourtant, il y a plein de questions qui sont abordées, hein, y compris l'incendie d'une centrale électrique à Cuba dont j'ignorais tout. Donc il y a des questions très précises qui sont abordées. Mais celle-là, celle du rôle de la France dans la guerre, silence. Pire, j'ai cru qu'à aucun moment, il n'y avait de mention du rôle de l'administration américaine. Je m'étais trompé. Le nom de Biden figure en page 5 ou 6 du rapport. Mais sous une forme qui, par contre, m'a laissé un peu interrogatif. Biden est cité non pas pour son rôle néfaste dans la conduite de la guerre, non pas pour le fait qu'il prépare une guerre mondiale en Chine. Il est cité positivement comme celui qui a décidé de taxer les super-profits aux États-Unis. Et le rapport présenté à la commission exécutive confédérale de la CGT dit que c'est là un exemple à suivre en France. Biden, un exemple à suivre, camarade, en pleine marche à la guerre. Donc il est évident que nous sommes confrontés à des problèmes. Alors, nous sommes pour notre part en campagne. Nous sommes en campagne à la fois pour les besoins urgents de la classe ouvrière, pour un gouvernement sans Macron ni patron, et contre la guerre, et pour la confiscation des milliards de la guerre pour les besoins du peuple. Nous avions dit il y a quelques mois, et je crois que nous l'avons dit ici même d'ailleurs, la dernière fois où nous sommes venus, que quels que soient les obstacles, ceux du Covid et beaucoup d'autres, il y aura une conférence mondiale ouverte contre la guerre. Cette conférence aura lieu les 30 et 31 octobre prochains, malgré toutes les difficultés. Des camarades de tous les continents et de tous les pays, sauf ceux qui en seront physiquement empêchés, seront présents. Nous avons dit nous ferons un meeting pour exprimer ce qu'est l'internationalisme prolétarien de manière vivante, pas en visio, pas en mots, physiquement présent. Ce meeting aura lieu le 22 octobre prochain. Seront présents des camarades de pays qui sont dans la guerre, sous toutes les formes. Il y aura des camarades d'Afghanistan, des camarades des États-Unis, des camarades du Pakistan, sous une forme ou sous une autre, des camarades de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. Il y aura des camarades de Grande-Bretagne, il y aura des camarades de Chine, des camarades de Palestine. Et nous affirmerons dans ce meeting que la classe ouvrière est une et indivisible. Et que nous refusons de nous situer sur le terrain chauvin et nationaliste. Alors, nous avons 6 semaines, 7, pour déployer une véritable campagne de masse. Nous savons qu'autour de nous, ceux qui partagent notre position sur la guerre sont légions. Mais qu'en dehors de nous, personne ne pose le problème. Alors nous allons nous lancer à nous-mêmes un défi. Pouvons-nous, d'ici le meeting, solliciter des milliers, plus exactement des dizaines de milliers de travailleurs jeunes, à qui nous dirons, voilà, le 22 octobre, dans une salle publique à Paris, des camarades de Palestine et de Chine, de Russie, d'Algérie, d'Afrique, d'Afrique du Sud, de différents pays d'Europe, des États-Unis, seront là. Ils diront d'une seule voix, à bas la guerre. Ils diront d'une seule voix, dehors les troupes de Poutine, dehors les troupes de l'OTAN, dehors les troupes françaises d'Afrique. Toi qui es un travailleur et qui partages cette position, je te propose d'aider à financer ces événements. Peu importe la somme, ça peut être 1 euro. Mais nous allons montrer que les travailleurs de ce pays ne sont pas des chauvins derrière Macron, ne sont pas des chauvins derrière ceux qui, à gauche, soutiennent Macron. Nous allons faire la démonstration que les travailleurs de ce pays ont l'internationalisme chevillé au corps. Et il n'y a qu'un moyen de le faire, c'est le rapport organisé,
qui fait que bien sûr, tous ses camarades, nous allons les inviter au meeting, mais même ceux qui ne peuvent pas, même ceux qui hésitent, même ceux qui ont des emplois du temps compliqués, qui ont des soucis de santé, nous leur proposons d'être partie prenante de ce meeting et de cet acte d'internationalisme par la manière dont ils contribuent au financement. Vous le comprenez, l'objectif, ce n'est pas le financement en soi, bien qu'il soit nécessaire. Mais c'est l'agrégation de la couche la plus large. Nous allons proposer aux camarades qui ne sont pas au POID, des camarades du Parti communiste, de la France insoumise, des camarades de nos syndicats, nous allons leur proposer de s'associer à ce meeting. Ceux qui diront « mais je partage ces positions, s'ils veulent prendre la parole à ce meeting, seront les bienvenus. » Parce que nous voulons réaliser le front le plus large contre la guerre, qui est en même temps le front le plus large contre l'exploitation. Alors camarades, il est évident que ceci se relie complètement à la nécessité de l'indépendance de la classe ouvrière pour laquelle nous militons, l'indépendance dans les grèves, l'indépendance dans les décisions de grève, l'indépendance dans les comités de grève. Et je terminerai par deux réflexions. La première, c'est que la presse s'est fait l'écho dans les deux derniers mois d'un événement qui leur paraissait un peu inédit. Il y aurait, paraît-il, dans l'enceinte du Palais Bourbon, un député trotskiste. L'inconvénient dans la langue française, je crois dans les autres langues aussi, c'est que les guillemets ne s'entendent pas. Donc, il y aurait au Palais Bourbon un député, ouvrez les guillemets, trotskiste, fermez les guillemets. Camarades, on peut être trotskiste et ne pas partager toutes les positions de la TCI. Nous n'avons pas le monopole. Mais enfin, un député trotskiste qui ne dit pas un seul mot sur la guerre, un député trotskiste qui ne proteste pas quand son collègue donne des conseils à l'amiral sur combien il faut de fusées, de bombes et d'avions, un député trotskiste qui n'a rien à dire sur le vote de ses collègues au Parlement européen qui disent « faites encore plus sous la direction de l'OTAN », un député trotskiste qui en ce moment même, sans aucun état d'âme, anime des forums aux universités d'été de la France insoumise à quelques mètres de Rachida Dati, de Marlène Schiappa, du ministre Beaune et de tous ces grands de ce monde, et qui n'a pas un seul mot pour protester. Non, camarades, ça n'a rien à voir avec le trotskisme. Le trotskisme est dans la plus pure tradition de toute l'histoire du mouvement ouvrier, de la 3e, la 2e, la 1ère internationale, la tradition de la Commune de Paris, la tradition de Zimmerwald, Kental. Le trotskisme, c'est la lutte intransigeante contre la guerre et pour l'internationale ouvrière. C'est la lutte pour l'émancipation des travailleurs, pour les travailleurs eux-mêmes. Nous l'avons écrit dans la tribune des travailleurs, mais nous le répétons. Les travailleurs en France ne considèrent pas les travailleurs chinois comme leur ennemi. Pas plus que les travailleurs de quelque nation que ce soit. C'est ce que dit notre manifeste d'alarme de 1940. Je dis bien notre manifeste d'alarme qui conserve toute son actualité. Et pour montrer à quel point nous ne nous situons pas d'un point de vue national, étroit, communautaire, religieux, ethnique, peu importe, je vais rappeler ce fait parfois n'est pas connu de tous les camarades. En 1940, lorsque la terreur nazie s'abat sur l'Europe, commencent immédiatement les persécutions contre les Juifs. Dans le manifeste d'alarme adopté en mai 1940, donc alors que ces persécutions ne font que commencer, adopté en 1940 par la 4e Internationale, la 4e Internationale dénonce avec la plus grande véhémence les persécutions contre les Juifs. Elle va plus loin. Elle décide d'engager une campagne internationale, notamment aux États-Unis, contre le gouvernement américain qui refuse d'accueillir les Juifs persécutés par les nazis. Il y a d'ailleurs un roman de Leonardo Padura qui traite magnifiquement de cette question. En août 1940, alors que la bourgeoisie française a capitulé et que le régime nazi occupe la France, le premier journal en France, c'est un fait historique établi, le premier journal en France qui appelle à s'opposer aux persécutions contre les Juifs, c'est l'organe clandestin trotskiste La Vérité, août 1940. 7 ans plus tard, dans un contexte totalement différent, l'impérialisme britannique et français et Staline décident
prenant prétexte de l'extermination de 6 millions de juifs par le régime nazi, de justifier la partition de la Palestine en deux États suivant des critères ethniques, et par conséquent de s'opposer aux droits légitimes du peuple palestinien à la nation et à la liberté. Le seul courant politique qui, en 1947, prend position contre la partition de la Palestine, s'oppose à la création d'un État dit juif et d'un État dit musulman, se prononce pour une assemblée constituante palestinienne réunissant dans l'unité toutes les composantes ethniques, religieuses et autres vivant dans cette région. Le seul courant qui se prononce dès 1947 pour une république palestinienne laïque et démocratique rassemblant à égalité toutes ses composantes, c'est la Quatrième Internationale. Et c'est le seul courant qui aujourd'hui encore, sans discontinuité, défend cette position. Pourquoi, camarades? Parce que ni en 1940, ni en 1947-48, nous ne nous situions à partir d'abstraction, qui est la supposée appartenance religieuse ethnique, nous nous situions à partir d'un principe commun et universel. Le droit de tous les travailleurs et de tous les peuples de vivre libres, dans la dignité et dans l'égalité. Le droit de tous les opprimés d'en finir avec l'oppression. Le refus de laisser les capitalistes et les impérialistes décider à la place des peuples, les diviser, les découper, les opposer et utiliser l'arme de la guerre chaque fois que c'est nécessaire. Alors camarades, c'est cela qui constitue aujourd'hui notre héritage. C'est ce que nous devons à Léon Sédov et à Léon Trotsky. C'est ce que nous avons appris de ce qu'ils nous ont transmis, qu'eux-mêmes d'ailleurs avaient appris de toute l'expérience historique du mouvement ouvrier et des générations qui avaient précédé. Nous sommes comme en 40, comme en 47, comme en 48, guidés par un seul principe, l'internationalisme ouvrier. Nous sommes guidés par un seul principe, la fraternité entre les travailleurs et les peuples. Nous avons un seul objectif, rassembler en un même commun tous les opprimés et tous les exploités pour l'œuvre de libération commune. Alors nous avons 7 semaines pour faire de cette conférence mondiale, de ce meeting, un succès éclatant. Il ne s'agit pas de dire que nous avons des objectifs que nous allons réaliser, il s'agit d'autre chose. Il faut que le regroupement politique ouvrier le plus large, ouvrier et jeune, contre la guerre et l'exploitation, s'impose dans la situation de ce pays. Se fasse connaître sous toutes les formes. Les médias sont les médias, mais ce que nous faisons dans les cages d'escalier, dans les cités populaires, sur les marchés, à la porte des usines, personne ne peut nous empêcher de le faire. Construire dans la classe ouvrière un large courant internationaliste pour la fraternité entre les peuples, contre la guerre et contre l'exploitation, nous sommes en situation de le faire. Et à tous les camarades avec qui nous discutons, qui appartiennent au Parti communiste, à la France insoumise, au Parti socialiste, qui partagent nos préoccupations, nous leur disons « faites campagne avec nous ». Mais aussi, n'oubliez pas d'interpeller vos dirigeants. Dites-leur que vous êtes contre la guerre. Exigez d'eux qu'ils prennent position contre l'attitude infâme du député qui a appuyé l'amiral dans la commission de défense de l'Assemblée nationale. Dites que vous n'êtes pas d'accord avec le vote de vos députés pour l'OTAN et pour la guerre. Exigez d'eux qu'ils rompent avec Macron. Qu'ils rompent cette espèce de promiscuité malsaine qui les fait en fait apparaître comme une composante du gouvernement, un pied dedans, un pied dehors. Unissons-nous contre tous les fauteurs de guerre, les Macron, les Biden, les Poutine. Et en menant campagne de cette manière, camarades, nous savons que nous allons élargir l'assise du Parti ouvrier, élargir la place de l'hebdomadaire, la tribune des travailleurs. C'est ainsi, pratiquement, que dans les semaines qui viennent, nous allons mettre en œuvre l'héritage politique des camarades Léon Sédov et Léon Trotsky. C'est le sens de notre présence ici. C'est le sens de la continuité que nous revendiquons. À bas la guerre impérialiste. Vive le socialisme libérateur. Vive l'internationale ouvrière. Et que vive la Quatrième Internationale. Debout, debout, le monde va
changé de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupe pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte. Nous et demain l'international.